Bonjour et bienvenue sur Megatest.fr. Aujourd'hui, nouveau test avec un ancien jeu hérétique sur PC. Ça se passe au Moyen-Âge. Ce jeu est sorti à l'époque fulgurante des Doom-like, où ça pétait dans tous les sens et où c'était vraiment un carton. Je vous laisse voir le test dans cette époque médiévale maintenant. Il y a des jeux qu'on découvre en testant des démos et hérétiques est pour moi un de ceux-là. J'ai trouvé ce Doom-like sur le CD de shareware de micro-application Doommania. Une vraie perle ce CD. À une époque où Internet n'était même pas envisagé chez moi, car je ne savais pas que ça existait, en furetant sur le CD, j'ai eu l'occasion de découvrir plein de jeux. J'en ai installé des démos. Je me suis arrêté sur Hérétic, car non seulement c'était un Doom-like et à ce moment-là j'étais vraiment à fond dedans, mais en plus le jeu était beau. Une fois installé via le CD, je lance le jeu sous MS-DOS. Ça charge et j'arrive dans un menu qui me fait penser à Doom. New Game, Save and Load, Options et Exit. Je choisis donc une nouvelle partie et difficulté moyenne. Chargement à nouveau et je tombe en direct sur des ennemis. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Mais à cette époque, les touches de clavier de Doom-like étaient en général les mêmes. Les flèches pour bouger, Alt gauche avec les flèches pour strafer, contrôle pour tirer, espace pour ouvrir les portes et les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour changer d'arme. Concernant le scénario, dans un monde médiéval fantastique, Despharil, alors je sais pas exactement comment ça se prononce, le premier des trois chevaucheurs de serpents, un trio de démons puissants, dissémine mort et ruine. Seul un héros elfe, Corvus, peut se dresser devant lui et le vaincre. Merci Wikipédia. Donc tout commence dans cette grande pièce, avec une porte sur la gauche. Fermée, car il faut une clé. Je fonce à l'extérieur et trouve plein de munitions, des power-ups d'armure et d'autres objets qui se glissent dans l'inventaire pour utiliser plus tard. En avançant dans le jeu, j'ai ramassé pas mal d'armes, comme par exemple l'arbalète éthérée qu'on pouvait comparer au shotgun de Doom, la griffe de dragon qui équivaut à la mitrailleuse, le sceptre infernal, le sceptre du phénix qui ressemble au lance-roquette dans son fonctionnement et d'autres armes encore. L'arme de corps à corps est un bâton qui peut être comparé au poing de Doom. Et une autre existe, les gants du nécromancien qui ressemblent à la tronçonneuse. La différence est que ceux-ci pompent l'énergie de vos ennemis pour vous en restituer une partie. C'est marrant de constater que les cheat codes de Doom vous défoncent la gueule. Par exemple, IDDAD vous suicide au lieu de vous rendre invincible et IDKFQ vous enlève toutes vos armes. Il m'a fallu découvrir également les effets des objets qu'on chope dans l'inventaire. Par exemple, les grimoires boostent vos armes et les rendent radicalement plus puissantes. Vous avez également un objet qui peut vous faire voler. ID Software a voulu changer certains points par rapport à Doom. Au lieu d'être en milieu futuriste, vous vous retrouverez entouré de magie avec des armes tirées ou inventées en rapport avec cette époque. Graphiquement, le jeu est assez fouillé et les textures correspondent bien à l'univers médiéval proposé. Les ennemis sont légion et assez diversifiés. Vous aurez aussi des variantes d'ennemis comme par exemple le petit diable qui tire des boules de feu alors que d'autres non. Le moteur utilisé est le même que Doom, mais on pourra remarquer qu'un certain soin a été apporté aux différents endroits de chaque niveau. Ceux-ci sont également relativement plus complexes et comportent plus de détails. Concernant les musiques, pour ma part, j'ai largement préféré celle de Doom, le rendu était meilleur qu'ici. Les mélodies ne me sont pas restées en tête et encore aujourd'hui, je n'arrive pas trop à accrocher. Les bruitages, quant à eux, sont bons et retranscrivent bien la souffrance des ennemis. Les grognements des momies en fond pourront vous faire stresser quand vos vies seront au plus bas. Les niveaux sont blindés de passages secrets et tous les trouver vous demandera vraiment beaucoup de temps. En bref, ce jeu est un digne successeur de Doom avec sa propre ambiance et sa propre personnalité. Je vous conseille grandement de l'essayer afin de vous faire une petite idée sur les démons qui vous attendent. La note Megatest est de 79%. Chers amis nostalgiques, je vous dis à très bientôt pour de prochains tests sur Abandonware France et Megatest.fr. Voilà, le test est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter ou ce que vous voulez. Je vous dis de toute manière à très bientôt pour de prochains tests sur Megatest.fr.